हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके बाप दादा भाग्य को भी दे रहे बाप दादा regarde votre fortune. Semble vrai en face de cette fortune. Conséquent. L'année de la libération, l'année de la liberté. Libération et 98 est l'année de la libération. Ceux qui pensent que c'est l'année de la libération, levez la main, levez vos mains. Il veut se lever simplement vos mains. Et que vous êtes dans la balançoire du bonheur, que se passe-t-il? C'est que vous levez simplement vos mains. Non, levez vos mains et faites cette promesse depuis votre cœur. Que ce que cela coûte, année de la libération. Se ferme. De telles paroles de faiblesse. Que vos mots soient qu'aussi doux que ceux du Père. Calme, soit empli de bons souhaits. Venu comme des paroles emplies de signification. Ordinaire, tout en marchant et en vous déplaçant. Soit viennent vers vous, devraient se demander si ce sont des mots, des perles. Qui de bon soi, des parents en pied de bon soi, sont comme des diamants et des perles. Bab Dada a indiqué de nombreuses fois que très peu maintenant de temps. Pour vous maintenant. Badi man bhavni murli prem se pranon ko seeche rasili taan ki ye dor aapki aur hi kheeche aapki aur hi kheeche ruhani sneh ka jaadu aa
जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। Inculquez de... Inculquez la vertu de la douceur et de l'amour dans votre vie et toutes les autres vertus arriveront tout aussi facilement. Unité dans l'assemblée. Vos douces paroles et les vibrations de vos doux mots attireront tout un chacun vers vous. Chaque parole et chacune de pensées pour toute âme soit douce et grande, grandiose. Ayez la nature d'élever tout un chacun, la nature de la douceur et la nature de l'humilité, et il y aura de l'unité dans l'assemblée, et toute discrimination se terminera. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 7. Inculcate the virtue of sweetness and love in your life and all other virtues will easily come. Today's topic, unity in the gathering. Now, we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, Baba's very, very sweet and loveful children. Right? Om Shanti, aux très doux enfants. One of the important attainments. Une des acquisitions principales est la douceur et l'amour. Mais intérieurement, nous nous sentons très heureux. Il y a ce contentement. Je suis une âme et je adoucis, enfin je donne la douceur à tout un chacun. S'il y a des douces paroles, c'est que cette douceur est en vous. C'est que vous l'expérimentez et vous le ressentez. Tandis que si vous êtes dur, donc cela se verra ou s'entendra, en tout cas dans les paroles et dans les mots. Alors vous essayez de vous pardonner, de dire désolé aux autres, mais quand vous êtes doux, vous n'avez pas besoin de faire cela. On dit toujours qu'avec vos paroles, que ce soit donc les paroles peuvent être des fois comme des ciseaux, elles peuvent être comme des comme une aiguille en fait. Donc comment gérer cela? Donc actuellement dans le monde, il peut y avoir des fois de très bons supports, de très bonnes forces. Comment peut-on... Ah, donc combien cette qualité de la douceur et de l'amour est importante. Quand on parle à un petit enfant ou à une personne plus âgée, vous devez être plus doux. Et la douceur fonctionne. Et c'est pour cela que Baba dit, c'est que vous pouvez rester unis à ce moment-là. Si vous avez de la douceur et de l'amour. Quelquefois, beaucoup d'aspects peuvent ne pas fonctionner et
et vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez ou les acquisitions que vous voulez, mais avec cette douceur, automatiquement, il y a un résultat. Parce qu'il y a du bonheur, il y a du contentement, vous vous sentez bien. C'est que c'est le plus important. Et le plus important, c'est de voir si les autres sont beaucoup plus heureux, sont heureux, et de se rendre compte que les autres aussi peut-être ne sont pas heureux. Et donc, on peut dire assurément que ce sont les versions divines et que c'est la vérité qui a du pouvoir derrière. Donc, pratiquer. Ce que Baba dit, c'est que depuis le début, quand il y a de la douceur, toutes les vertus viennent. Mais dans ce devoir, Baba parle de l'unité dans l'assemblée. Je me souviens que spécialement pour les parents, s'ils parlent des enfants, donc en parlant des enfants, si vous les critiquez, il n'est pas cela. Donc il s'agit de rester empli de respect. Et dans la famille, c'est très important. Soyez très prudent dans le sens de ne pas critiquer qui que ce soit en face de qui que ce soit d'autre. Et je ne devrais pas faire cela de toute façon, parce que c'est amer. Il y a de l'amertume en cela. Donc Baba nous donne ce devoir. L'unité et tu es dans l'assemblée est une bonne acquisition. Dans la famille, vos douces paroles et vos vibrations, de vos douces paroles, de vos doux mots, attireront tout un chacun vers vous. Vos douces paroles et la douceur de vos douces paroles attirant tout un chacun vers vous. Que chaque pensée pour chaque âme soit douce et grand. Ayez la nature d'élever tout un chacun, la nature de la douceur et la nature de l'humilité. Il y aura de l'unité. La douceur dans la nature de l'humilité. Il y aura de l'unité dans l'assemblée. Toute discrimination se terminera. Parce que nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de cette différence. Quelquefois, certains pensent que tout ce que je dis, les autres devraient l'accepter. Mais pour moi, c'est OK. Tout le monde peut avoir différentes idées, différentes pensées, mais il n'y a pas de différence, en fait. C'est simplement des idées différentes. Certains n'aiment pas cela. Mais ce que je ressens, c'est comme une variété de fleurs. Et nous faisons un très bon bouquet avec cela. De la même façon, nous sommes tous des fleurs différentes de Baba. Et quand il y a la douceur, quand il y a l'amour, ce que nous allons créer, c'est un très beau bouquet. Certaines personnes, la même sorte de fleurs, les mêmes couleurs dans un bouquet, certains aiment la variété.
et tous les deux ont leur beauté propre. C'est de semblable pour une individualité, chacun a sa personnalité. Et nous devons avoir de l'amour et de la douceur dans les relations. Et Baba dit que la vibration crée l'atmosphère. Et ce que l'on ressent, c'est qu'on peut se sentir très bien ainsi. Qui aimerait l'amertume, sinon d'une autre façon? Si quelque chose est amer, vous n'aimez pas cela. C'est de même pour l'amertume dans les paroles ou dans les vibrations, dans les sentiments. Il y a justement de l'amour et de la douceur. Juste de l'amour et de la douceur. Et toutes les vertus, c'est que l'unité viendra dans la famille. Et c'est ce qui est le plus important, l'unité dans la famille et dans l'assemblée. It's very beautiful. Très beau. De très beaux sujets ce soir, l'unité dans l'assemblée, à travers l'humilité et la douceur dans la nature. Je me souviens spécialement durant les dernières années de Dadi Janki, au dernier moment lorsqu'elle, les dernières années, elle me parlait et elle me disait toujours que ce que je pensais, que ce qu'elle disait, elle devrait le savoir et comprendre. Elle me donnait Drishti et elle me disait, as-tu compris? Est-ce que tu, non pas comprendre, est-ce que tu as ressenti ma bhavna, mes bons sentiments? Et ma compréhension entière par rapport à ce qu'elle disait a changé complètement. Donc, elle ne me demandait pas à travers des mots, elle me demandait de comprendre la bhavna. Elle ne disait pas de comprendre les paroles, mais la bhavna. Et la dernière week-end, ce week-end avec toi, je suis venue dans cette expérience, c'est que tu ne parles pas avec des mots, que tu parles avec ta bhavna, que tout ce qui est avec toi, et je peux alors comprendre tes paroles, mais je ne peux ne pas comprendre ta bhavna. Donc, Sister Mohini, je voudrais te demander, est-ce que tu communiques avec les paroles, ou avec les mots, ou avec tes bons sentiments, la bhavna? Je pense que quand il y a la bhavna, et que tu parles avec de la bhavna, quand tu parles avec cette bhavna, ces bons sentiments, parce que quand il y a l'amour pur, tu ne dis pas simplement ce que tu as envie de dire, c'est-à-dire tu ne. Mais il y a cette envie de transformation et de grandeur. Certains ont de très bonnes qualités pour parler, une très bonne façon de parler, mais quand il y a la douceur et l'humilité, chaque vertu, chaque spécialité amène beaucoup de succès. Et aussi, il y a Baba. Donc, assurément, la bhavna, les mots emplis de bhavna, le but est cela. Mais cette bhavna que tu amènes dans le monde, dans les paroles, est-ce que ça ne vient pas de cette nature de douceur, de la nature de la douceur et de l'humilité, en d'autres termes? Si tu n'amenais pas Sada Bhavna dans les paroles que tu dis, je n'amènerais pas une douche pluie sur nous. Donc il y aura cette, aussi cette humilité qui est transportée
Est-ce que c'est une chose consciente que tu fais? Et tu dis, oui, maintenant je suis dans cette conscience et je dois être parlé de cette façon. Et donc tu me connais très bien et tu connais ma personnalité. Donc dans cette douceur de, est-ce que je me connecte à un certain niveau par rapport à Bhavna, avec cette douceur et humilité, parce que je sais qu'elle sera piégée par les mots. Est-ce que tu te prépares avant de parler? Est-ce que tu te prépares ainsi avant de parler? Si l'amour est là, la Bhavna est là. Et assurément, nous devons voir de quelle façon, quels sont les mots peuvent être dits. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas une communication propre, s'il n'y a pas cette légèreté, vous n'utiliserez pas les mots corrects. Et donc, il y a certaines âmes, parce que l'intellect de chacun est différent. Il y a certaines âmes qui ont un très bon intellect, très bon. Mais quand je dis quelque chose, c'est un petit peu différent pour de comprendre ce que je dis. Donc, je vais très lentement. Parce que je sais que cette âme prendra du temps à comprendre. Il y a différents moyens, différentes façons de se préparer. Assurément, non seulement avec toi, mais avec tout un chacun. Parce que nous avons du respect et de l'amour pour tout un chacun. Mais nous voulons essayer de voir que notre communication soit claire, avec harmonie. Donc, je pense que oui, on se prépare intérieurement avec amour et douceur, humilité, et ensuite faire le choix des mots. And that is, there's a saying that goes like, blessed is the one who can touch. Béni soit celui qui peut toucher les cœurs de miséricorde dans le cœur de l'autre. Béni, c'est celui qui peut toucher cette forme de miséricorde dans l'autre. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Baba dit, ayez de la miséricorde pour vous-même. Et j'ai churné sur cela parce que nous tournons vers Dieu pour la miséricorde. Mais ce que j'ai ressenti dans ce mur-là, c'est que Baba, le plus miséricordieux, est venu et touche les cœurs de la miséricorde en moi. C'est très intéressant parce que si je n'ai pas de miséricorde pour moi-même, je ne pourrai continuer avec toutes les habitudes et les bonnes habitudes avec tout mon comportement. Et dès que j'ai de la miséricorde pour moi-même, alors je ressens la miséricorde de Dieu. Je suis venu et donner la connaissance pour la à cause de la miséricorde. Et je pense que c'est vrai parce que Baba sait qu'il est le plus élevé. Il est grand. Et il sait ce que nous étions, des déités. Et donc Baba ressent la miséricorde pour nous. Et il nous donne cette connaissance pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce que la pureté. De même avec le soi. Si je n'ai pas de miséricorde pour moi-même, je ne pourrais pas continuer. Mais quand j'ai cette miséricorde, je peux me demander qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui se passe en moi. Parce qu'il y a ces paroles.
another person will also feel happy. Je parle et je me sens heureuse, les autres personnes vont se sentir heureuses. Donc, par exemple, ce que nous utilisons dans les cours, tout cela, ce sont des paroles élevées et cela touche les cœurs. Donc, être rempli de miséricorde pour le soi, c'est vraiment le plus beau cadeau que nous pouvons nous donner. Nous devons nous demander est-ce que je peux faire cela, mais aussi à travers mon drishti, ma vibration, avec mes bons souhaits, mais aussi à travers mes paroles, être éveillé. Donc il s'agit d'être rempli mes écoutes pour le soi et c'est très important, c'est une très bonne qualité. Je pense que quand Baba touche le cœur avec miséricorde, cette miséricorde en nous, en fait, la connaissance n'est pas juste alors. Donc, c'est comme si Srimat est comprise autrement. Ce n'est pas simplement quelque chose à faire. Mais il y a cette transformation avec cette humilité, cette nature douce. Et il y aura cette bhavana qui veut que nous ayons. Parce que Baba veut que nous réalisons. Mais il s'agit d'expérimenter cette miséricorde et cette douceur en même temps. Donc, quand il y a du bénéfice, on aurait pu se poser toutes sortes de questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais du fait de la miséricorde, le cœur a besoin de changer. Donc si nous faisons ce qu'il dit, c'est vraiment la réelle miséricorde, parce qu'il y a des acquisitions à travers cela. Parce que nous pouvons réclamer un héritage, nous pouvons atteindre notre niveau de perfection. Donc, il y a cette compréhension de vraie miséricorde. Et alors, il n'y a pas de difficulté à suivre Baba, les directives de Baba ou la Shrimat. Parce que sinon, soudainement, cela peut avoir cette pensée que ça semble difficile, ce n'est pas pratique, non possible, que ce n'est pas possible. Des pensées viennent dans l'esprit. Et Baba est celui qui... Et il a beaucoup de miséricorde pour nous. Il envoie cette miséricorde sur nous. Et il regarde ce qu'il y a de bon en cet homme. Que l'âme n'aille pas dans la souffrance ou dans la peine. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons en très bonne santé. Regardez comment Baba est si... Comment Brahma Baba a gardé cette santé et ce bonheur intérieur, c'est parce qu'il suivait la Shrima de Baba. Je voudrais adresser à mes sœurs, à Vyakti Parivar et aux enfants, la famille. C'est l'heure de l'école. Je sais que quelqu'un, il y a un enfant qui écoutera parce qu'il fait ses devoirs, mais il y a quelques années, quand nous avions fait la Noël, il y avait un professeur, il avait fait un processus avec la classe, et pour la célébration de Noël, elle a amené... Elle a amené un commentaire d'un des enfants. L'un des enfants a dit, « Dieu, cher Dieu, j'aime la façon dont tu dis mon nom. Je ne peux pas le dire. » Il y a un mot que nous avons obtenu et c'est un nom. Et pour cet enfant, Vyakti Parivar, comment peux-tu lui dire? Comment on peut amener cette douceur en eux? Mon Baba l'a nommé.
L'amour est une vibration, la principale, Baba, aime tout un chacun. Baba, quand Baba appelle ton nom, vous allez pouvoir ressentir la vibration de l'amour sous forme de douceur. Oui, c'est vrai, parce que par exemple, avec Baba Abda, t'as appelé, tu as ressenti cette douceur. Et pour tous les enfants, que ce soit petits ou grands, devraient se toujours souvenir que Baba nous aime. Baba voudrait que nous ressentions que nous sommes doux, que nous sommes très doux. Que la douceur soit notre nature, que nos paroles distribuent de la douceur. Non seulement nous avons reçu, et Baba veut que nous soyons des bienfaiteurs comme lui. Nous devrions avoir le même sentiment que Baba. Cette vibration, en fait. Et quand il y a cette forme de peur ou toute ombre, quelque chose qui n'est pas correct, juste se souvenir, Baba t'a appelé par le nom. Je voudrais dire cela à cet enfant. Baba t'a appelé par ton nom. Baba nous a amené sur ce voyage avec Tiparivar. Nous nous préparons tous à te rencontrer aussi à Madhuba. Donc nous allons faire ce voyage aussi. Je serai là avec toi. Have a safe journey and take all our love with you and be safe. Thank you. Thank you. On prend tout notre amour et fait ce voyage en toute sécurité. समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए जग में फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारे श्रीमत कितनी प्यारे मीठे बच्चों प्यारे बच्चों तो आप देखेंगे कि जितने विकार हैं Donc, la cause des vices est l'attraction, la répulsion. La colère est précédée par la haine ou la jalousie. Donc, il y a de la jalousie, la colère ou de la haine, sur une répulsion vers les autres, haine et jalousie. Ici, donc, quels sont les cinq vices, l'attraction ou la répulsion? Qu'est-ce que l'ego s'est mélangé? L'attraction vers votre propre soi et la répulsion vers les autres. Ceci est de l'ego. Maintenant, qu'est-ce que l'égoïsme, l'attraction vers votre propre soi et la répulsion vers les autres? Je devrais atteindre quelque chose. Cause de la peine dans la vie humaine. Les deux principaux pouvoirs qui travaillent ensemble sont la racine, l'un est l'attraction et l'autre est la répulsion. Suivant,
pour avoir une vision pure, une attitude pure. Quand nous avons de l'attraction, toute la connaissance s'évapore comme du mercure. Comme quand nous mettons le mercure à l'extérieur, nous mettons de l'eau à une température chaude et cela s'évapore. De même, cette personne est dans la connaissance, elle comprend correctement et aujourd'hui elle est attirée par quelqu'un et toute la connaissance disparaît. Maintenant, je prends un différent chemin, je quitte. Elle est attirée vers quelque chose et elle a de la répulsion vers la connaissance. Répulsion vers le monde. Aujourd'hui, il y a de la répulsion, donc l'inversion. Donc, nous voyons que ces deux choses travaillent ensemble, attraction et répulsion. Nous voulons devenir une déité, un ange. Pour les anges, vous dites que les anges n'ont pas de relation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas d'attraction envers les relations. Et aussi, il n'y a pas d'os, elle n'est pas attirée par quoi que ce soit. L'ange vole juste au-delà. Cela signifie au-delà de l'attraction du monde, des gens, des facilités, ne l'attire pas. Si nous voulons devenir abject comme un ange, nous devons atteindre la victoire sur ces attractions. Si nous n'atteignons pas la victoire sur ces attractions, comment deviendrons-nous un ange? Nous devrions avoir un tel but, mais le processus de la transformation ne sera pas là. Donc ce sujet de la destruction crée de la répulsion envers le monde et le fait qu'un tel âge d'or... Un monde de l'âge d'or est en train de venir, cela produit de l'attraction. Donc, c'est ce que Baba nous a donné, la répulsion pour le monde de l'âge de fer et l'attraction pour le monde de l'âge d'or. Donc, hier, nous étions des diamants et maintenant, nous ressemblons à des, je ne sais, et à l'âge d'or, les diamants seront incrustés dans les murs. Je vis dans un tel monde, donc notre esprit est attiré vers là-bas. Et je deviens cela. Avik Mule is from 1969, multi-million-fold fortune and blessings. Om Shanti. This is the Aviyat. Shanti avec Tumurli du 11 juillet 72. Augmenter le pouvoir de décision, réaliser les qualités du Père. N'êtes-vous pas devenu libre? Si vous expérimentez le niveau de libération, ensuite, après être libéré, vous expérimenterez le fait d'être dans une vie de libéré, mettant dans une vie libérée. Parce que vous vivez votre vie, vous êtes un être humain. En vivant cette vie, vous êtes libre du corps, des relations corporelles et des attractions du monde, du vieux monde. Ceci est appelé le niveau d'être libéré dans la vie.
Donc, vous devez expérimenter la libération et la libération dans la vie en ce moment et non dans le futur. Dans le futur, vous continuerez de recevoir la récompense des acquisitions de cette période. Cependant, l'acquisition doit être expérimentée en premier en ce moment. On a compris dans le futur que ceci est la récompense de vos actions élevées. Mais c'est maintenant que vous accomplissez les actions élevées. Donc l'expérience des acquisitions sera aussi en ce moment. Ne vous assurez pas simplement pour le futur. Ne restez pas simplement à vous contrôler et tout en faisant le contrôle, en gardant le contrôle sur vous-même. Ne faites pas cela. Regardez-vous. Jusqu'à quelle étendue j'avance avec l'héritage que j'ai reçu du Père? Le Père a donné. Le Père l'a donné. Personne ne pourra voler l'héritage de celui qui a un droit. Donc maintenez l'ivresse et la foi que vous avez un droit et contrôlez simplement que vous ne perdez pas quelque part l'héritage que vous avez reçu. Il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent beaucoup, mais qui perdent beaucoup. Du fait de perdre, bien que vous recevez quelque chose, vous restez encore un mendiant. Parce que tout en ayant un droit, vous devenez dépendant. Quand vous n'avez pas de droit, vous serez assurément dépendant. Vous devenez influencé par les obstacles parce que vous n'avez pas reçu un droit. Si vous avancez constamment comme étant celui qui a un droit, alors vous ne serez pas influencé par les obstacles. Ne devenez pas dépendant sur différents sujets. Tout comme le Père prend le support de la matière, ne devenez pas dépendant de la matière. Tout comme le Père prend le support de la matière, il ne devient pas dépendant. Non, devient pas dépendant. De la même façon, vous devez avancer tout en faisant en sorte que ce corps et ces éléments, en les rendant donc comme étant votre support et non en étant dépendant d'eux. Acha. Avez-vous vu les jeux de ceux qui font l'aérobic? Ceux qui sont dans les bâtis ont démontré cela très bien aujourd'hui. Toutes les faiblesses se termineront, n'est-ce pas? Et vous ne jouerez plus ces jeux, n'est-ce pas? Ceux qui restent constamment avec la foi et l'ivresse comme ayant un droit à la libération dans la vie, aux âmes qui deviennent élevées tout en adoptant tout type de grandeur, l'amour, le souvenir et Namasté.